Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du CAS. Aujourd'hui, nous allons voir dans une approche globale, les pulsars. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti. Un pulsar est le nom donné à une étoile à neutrons, tournant très rapidement sur elle-même et émettant un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe magnétique. Le nom de pulsar est dû à ce que lors de leur découverte, ces objets ont dans un premier temps été interprétés comme étant des étoiles variables sujettes à des pulsations très rapides. Pulsar est l'abréviation de Pulsating Radio Source, qui veut dire source radio pulsante. Cette hypothèse s'est rapidement révélée incorrecte, mais le nom est resté. Il existe une grande variété de types de pulsars. Les pulsars radio, pulsars X, pulsars X anormaux, magnétars et pulsars millisecondes, dont les propriétés dépendent essentiellement de leur âge et de leurs environnements. Je ne vais pas détailler chaque type de pulsar dans cette vidéo car sinon elle serait bien trop longue. Et comme je l'ai précisé, nous voyons les pulsars dans une approche globale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. On se retrouve demain pour un prochain CAS et nous allons parler des trous noirs. À demain.